À partir du mercredi 15 septembre, la vaccination contre le COVID-19 sera obligatoire pour toutes les personnes travaillant dans les établissements de santé, ainsi que les pompiers, ambulanciers et les aides à domicile. Si elles refusent, les personnes concernées seront suspendues. Un choix approuvé par l'infectiologue Carrie Lacombe. On ne veut pas se faire vacciner, on change de métier, a-t-elle lancé sur BFM TV. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné et protégé pour ne pas se contaminer et pour ne pas contaminer les autres, a poursuivi Karine Lacombe. Plus de 95% des fonctionnaires agents publics des hôpitaux ont reçu au moins une première dose du vaccin contre le COVID-19, a déclaré lundi la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Ce mardi, la CGT appelle à la grève contre la vaccination obligatoire. Son secrétaire général, Philippe Martinez, mettant en garde contre une possible catastrophe sanitaire.